Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette respiration du cœur dans le cadre des ateliers du sensible et du discernement en cette édition si particulière des dialogues en humanité. Alors j'ai choisi de vous proposer cet atelier d'1h30 sous la forme d'une vidéo pour minimiser les risques de problèmes de connexion car il s'agit d'un processus évolutif qui prend vraiment tout son sens dans sa fluidité, dans sa continuité. La respiration du cœur, donc de quoi s'agit-il? C'est une exploration des différentes dimensions du cœur, c'est-à-dire des différents aspects que regroupe le mot cœur et des différentes qualités qui lui sont associées. Cette exploration repose sur le lien intime entre la respiration et le rythme cardiaque, donc la cohérence cardiaque, et ici elle sera agrémentée, accompagnée de musique sur l'ensemble de l'exploration pour créer une ambiance appropriée à une plongée, tout en douceur, dans des ressentis de plus en plus subtils, dans une compréhension et une intégration de plus en plus profonde. Et la musique aussi, d'une certaine façon, nous donnera le tempo de cette respiration et nous permettra de nous synchroniser. Donc je suis Frédéric Menzen. J'aime créer, partager des musiques, des sons, des vibrations qui inspirent, qui apaisent et qui font voyager. Et j'aime aussi partager les manières simples, efficaces et naturelles que je pratique tous les jours pour prendre soin de moi, tant sur le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. C'est ma façon de participer au bien-être collectif et au bien-être individuel. Et il y a trois choses qui me tiennent particulièrement à cœur. L'autonomie de chacun et de chacune, la pleine expression de la vie que je suis, et c'est d'être en harmonie avec l'ensemble du vivant, ce qui vous inclut bien entendu. Alors, bon, je suis peu à l'aise pour parler seul face à une caméra, votre présence me manque. Et en plus, bah, j'ai eu une petite mésaventure, n'est-ce pas, très récemment. Là, on est à quelques jours des dialogues en humanité et en fait, j'ai perdu tout mon matériel, ordinateur, disque dur, bref. Donc, la vidéo que je vous avais peaufinée depuis un petit moment, qui était, voilà, elle était ce qu'elle était, bref, c'est tombé à l'eau. Alors du coup, je vous en fais une. Bon, j'ai quand même gardé pas mal d'éléments, hein, donc je vous en fais une, là, comme ça, un peu une vidéo de fortune. Mais quand bien même, je reviens d'un atelier que j'avais fait en présentiel ce week-end et qui m'a aussi beaucoup inspiré, donc ça devrait bien se passer. Et alors justement, je vais vous suggérer quelques propositions donc pour faire de cette version en ligne une expérience vivante, intime et collective tout en même temps, puisqu'il s'agit du cœur, n'est-ce pas? Alors. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? En premier temps, je vous propose d'utiliser la zone de chat et de commentaires pour faire un petit coucou et, si le cœur vous en dit, de dire où vous êtes ou voilà ce que vous avez envie de partager. Comme ça, ça permet de créer ou de renforcer le sentiment de groupe parmi nous et puis aussi de nourrir, alors malgré donc la distance et l'apparente séparation, de nourrir le sentiment, même là, je dirais, la conscience que nous avons de respirer ensemble. D'ailleurs, je pratique en même temps que vous, je regarde en même temps que vous cette vidéo en ce moment, en tout cas à l'heure indiquée sur le programme, et puis si vous la regardez en différé, eh bien, quelque part, nous sommes tout de même ensemble, et nous pratiquons tout de même ensemble. C'est justement une des dimensions du cœur, n'est-ce pas? Je vous suggère aussi de créer une ambiance là où vous êtes, de stimuler vos sens de façon agréable, par exemple en utilisant un encens ou une huile essentielle, pardon, selon vos préférences, peut-être d'allumer une bougie, de tamiser la lumière, enfin voilà, d'ajuster la lumière à votre goût, de mettre une fleur là ou de la couleur là, et voilà, tout ce que vous souhaitez, bien entendu, vous voyez l'idée. Et puis aussi, surtout, voilà, d'éteindre toute source de distraction et de prendre vos précautions pour vivre cette respiration dans sa continuité. Il y a un autre point aussi, alors le son qui va être diffusé là est spatialisé, une belle stéréo, une certaine qualité aussi d'enregistrement et de,
de préparation. Donc je vous invite, si vous en avez un, à utiliser un casque, ou si vous avez des enceintes, à vous placer entre les enceintes. Eh bien, là, j'ai fait le tour de ce point. Il y a aussi que, voilà, dans la description, mais ça, vous verrez à la fin, dans la description sous cette vidéo, donc là, hop, je vais laisser mon mail, comme ça, vous pouvez m'écrire, recevoir un PDF récapitulatif, avec aussi des informations complémentaires sur cette pratique, sur ces pratiques que nous allons voir, car ici, là, cette exploration est surtout basée sur les ressentis, sur le corps, sur les pratiques, justement, avant la compréhension intellectuelle. On aura le temps d'échanger après là-dessus ou d'avoir les informations ensuite, ce serait préférable. Et puis, vous verrez, de toute façon, c'est très simple et très agréable. Quoi d'autre par rapport à ça? Là, je crois que j'ai fait le tour. Bon, peut-être vous aussi, à la fin, si le cœur vous en dit aussi, de témoigner et de partager. Bon, ça peut... Témoigner notamment, ça peut m'aider à faire mûrir ce genre de proposition en ligne. Et aussi, si vous vous abonnez donc à cette chaîne YouTube et que vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications, eh bien vous serez informé des autres propositions ou des améliorations ou des compléments que je pourrais ensuite diffuser sur cette même chaîne YouTube par rapport à ce que nous allons voir ensemble. Justement, au programme... Nous allons commencer par une courte mise en condition physique, c'est-à-dire une mobilisation des articulations de la colonne et du cou, ceci donc dans le but de faciliter la circulation générale des flux et notamment de la respiration. Puis aussi un petit tour d'horizon des différentes dimensions du cœur, juste histoire de s'accorder. Et nous commencerons réellement la pratique avec la cohérence cardiaque, donc c'est une manière très simple d'inspirer et d'expirer, qui en 5 minutes déjà établit un état de bien-être fort sympathique et à partir duquel nous pourrons plonger dans des ressentis de plus en plus profonds, tout en douceur bien entendu, alors avec d'abord une relaxation guidée dans une des dimensions principales du cœur, puis je partagerai quelques éléments complémentaires à la cohérence cardiaque tels que nous l'aurons vu juste auparavant. Ensuite il y aura un temps d'intégration sous la forme d'un voyage sonore, alors là il y aura purement de la musique et vous irez donc et nous irons ensemble dans la vibration du cœur et au cœur de la vibration. Et donc tout d'abord méditatif et puis qui va évoluer de façon un peu plus dynamique. Donc même si le cœur vous en dit, vous pouvez danser ou de la... Enfin voilà, le vivre à votre mesure et comme vous l'entendez. Et puis à la fin de ce voyage sonore, nous ferons ensemble une manière très simple de générer une vibration mais à l'intérieur de soi. Donc très simplement avec notre voix en fait. Voilà. Et je conclurai avec quelques trucs et astuces pour pratiquer la cohérence cardiaque en toute autonomie. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de 1h30. Donc commençons par mobiliser nos articulations, notre colonne et notre cou. Pour cela, je vous ai préparé une petite vidéo et je vous retrouve tout de suite. Soutenons tous nos mouvements par la respiration. Pour plus d'aisance et de circulation, et commençons par les phalanges et les doigts. En tendant, détendant les doigts de cette façon, puis tournons les poignets, toujours avec la respiration, les avant-bras, les bras, avec un peu de dynamisme, dans un sens, puis dans l'autre. Maintenant, sautons comme sur un trampoline le long de notre axe, chacun à sa mesure. Maintenant, la colonne. Commençons par des balancements des bras de chaque côté de la colonne, toujours en restant bien dans l'axe et toujours avec la respiration. En montant les bras au niveau de la poitrine, en respirant bien sûr. En levant les bras au-dessus de la tête, toujours bien dans l'axe du corps. Maintenant, les mains sur les hanches pour faire tourner le bassin dans un sens, en respirant, en inspirant devant, en expirant derrière,
de sens. Les mains sur les hanches, toujours. Le petit bassin, c'est comme si vous avanciez cette partie-là, avec en même temps des mouvements de rotation. Dans un sens, puis dans l'autre. Maintenant, plaçons nos mains au niveau des genoux pour faire tourner les genoux et les chevilles dans un sens, en restant bien toujours dans l'axe du corps et toujours en respirant. Puis dans l'autre sens. Position qui vous est la plus confortable, et l'essentiel, c'est qu'elle vous permette de respirer pleinement et profondément. Et simplement avec ce critère, si vous souhaitez, vous pouvez changer en cours de route et l'ajuster selon vos besoins, votre convenance. Maintenant, nous allons respirer ensemble et prendre ensemble une profonde inspiration. En soufflant, le corps se détend. Puis prenons une seconde inspiration. Et en soufflant, le corps se détend encore plus. Et une troisième inspiration. Le corps est maintenant complètement détendu. Il est temps maintenant que mon image s'efface. Seule ma voix continuera à vous accompagner par moments dans cette exploration pour en dessiner le paysage. Chacun cheminant à son gré, à son rythme, à sa mesure. À partir de maintenant, d'une façon générale, je vous invite à percevoir les mots que vous entendez ici, tout d'abord comme des sons, des vibrations, avant d'y mettre un sens dessus. C'est-à-dire apporter votre attention dans votre corps, à vos ressentis, à sentir comment cela résonne en vous quand vous entendez ces mots.
comment cela s'ouvre ou cela pulse, ou comment cela se ferme éventuellement. Et s'il vient une velléité de l'intellect, de comprendre, eh bien concevons que le sens global du terme comprendre signifie que c'est inclus, compris, si cela est en vous, si cela vibre en vous. Et bien sûr, l'intellect n'est pas rejeté, non ? Il est embrassé avec l'ensemble du corps, à partir du cœur, car c'est une des qualités du cœur, n'est-ce pas, d'embrasser. Et donc le cœur, sur le plan physique, c'est bien sûr l'organe, au centre du système circulatoire, mais aussi gérant le système nerveux autonome, prépondérant dans tous nos fonctionnements non conscientisés. Et à ce titre, nous n'avons pas directement accès à son rythme. Un deuxième plan, c'est bien sûr l'espace des sentiments, l'espace des émotions, l'espace d'où vient « je t'aime »,« j'aime », mais aussi « j'ai peur », « je suis en colère », et toute une palette d'émotions. Il est un troisième point qui n'est pas général à toutes les langues que l'on retrouve en français, le cœur en tant que centre, en tant que profondeur, comme le centre de la cellule, en tant que noyau, vous voyez, ou au cœur de la tempête, par exemple. Et effectivement, en anglais, le mot diffère. Le mot cœur, l'organe, se dit heart, alors que le noyau se dit core. Ce qui m'invite d'ailleurs, avec un jeu de mots que je me permets, parce qu'il fait quand même sens ici, à me rappeler, à vous rappeler, de redescendre dans votre corps. Bien. Il y a aussi le plan énergétique, et notamment le point d'énergie au centre de la colonne énergétique, donc en termes sanscrits, le chakra, Anahata. Je ne m'étendrai pas sur ce point-là. Vous avez plein de littérature concernant cela. Simplement, préciser qu'il est représenté par une fleur de lotus avec en son sein, en son centre, deux triangles qui s'interpénètrent, l'un pointant vers le bas, représentant notamment le spirituel qui descend dans la matière, et l'un pointant vers le haut, représentant la matière qui s'élève à l'esprit. Et bien entendu, ce chakra du cœur fait la parfaite jonction, le parfait mariage entre les trois chakras du haut portés vers le spirituel et les trois chakras du bas portés vers la matière. Pour étendre un tout petit peu ce panel, non exhaustif bien entendu, je pourrais citer quelques qualités principales comme le courage, agir avec le cœur, la gratitude, recevoir avec le cœur, ou la charité, donner avec le cœur, et la compassion, sentir, voir avec le cœur, porter vers une vision divine de l'amour inconditionnel. Et dans cette idée d'inclusion, je pourrais terminer par une sorte aussi de jeu de mots, cette fois-ci phonétique, en ajoutant le H de l'humain, par exemple, à cœur. Et cela me donne C-H-O-E-U-R, ainsi le cœur, l'unification de nos voix unifiées, pour chanter ensemble, tous et toutes, d'un même cœur. Ainsi, commençons par le cœur physique, et bien entendu, il vous viendra très certainement d'autres dimensions, d'autres aspects du cœur et d'autres qualités pendant cette exploration.
et naturellement nous les embrassons toutes. Et commençons par la base, le cœur physique, l'organe, qui certes œuvre sur les fonctionnements inconscients, mais étant lié par un phénomène de cohérence à la respiration, nous pouvons, en modulant de façon constante et agréable notre respiration, réguler le rythme du cœur et son fonctionnement. Ainsi voyons cela. Nous allons pour cela utiliser la musique. Entendez-vous les pulsations de la musique ? 1, 2, 3, 4. Une inspiration sur les quatre temps de la musique, suivie d'une expiration sur les quatre temps suivants. Et je répète ce cycle en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, et en comptant mentalement pour que le mental se fonde aussi dans la pulsation. 1, 2, 3, 4. Ressentez-vous bien ces pulsations ? La respiration se pose sur ces quatre temps. Et je peux soit fermer les yeux et me laisser porter par les pulsations de cette musique, soit les yeux ouverts, suivre aussi les pulsations au même tempo de cette fleur qui s'ouvre et puis se ferme. Je vais donner dans un instant le top départ et je vous indiquerai aussi la fin des 5 minutes. Vous pouvez ainsi vous laisser porter simplement par les pulsations de la musique en calant votre respiration sur celle-ci. Ainsi, après ce décompte de 4 temps, nous commencerons par inspirer ensemble. 1, 2, 3, 4, j'inspire. J'expire. 2, 3, 4, j'inspire. Thank you.
minutes se termine maintenant. Je reprends une respiration normale, naturelle. Je garde les yeux fermés, en observant sans attente les sensations en moi. Au niveau du ventre, au niveau de mes mains, au niveau de mon cœur, dans l'ensemble du corps, j'observe aussi ma perception de l'espace extérieur. Et accueille ce qui est. Et je porte mon attention sur mon assise. Sur le contact de mon corps avec la surface sur laquelle je repose. Je laisse ma respiration se poser sur cette surface sur laquelle mon corps se détend. Sur cette surface qui m'offre sa stabilité. Je respire avec cela. Avec la stabilité offerte par cette surface, cette chaise par exemple, ou ce tapis sur laquelle mon corps repose et peut se maintenir sans effort. Je respire avec cette stabilité offerte. Quelles que soient les actions que j'ai accomplies aujourd'hui, ou les actions que je n'ai pas accomplies, cette stabilité qui m'est offerte, que je sois content de moi ou pas, que je sois reconnu, à chacune de mes cellules. Et naturellement, je prends conscience que cette stabilité offerte par cette chaise, cette surface en général sur laquelle je repose, provient du sol sur laquelle cette surface repose elle-même. Le sol qui lui confère cette stabilité offerte à mon corps, à mon être. Ainsi je sens mon corps reposant sur ce sol, sur le sol de cette terre qui m'offre en toutes circonstances sa stabilité. Qui que je sois, où que je sois, je respire avec cela. Je respire avec cette stabilité offerte par le sol de la terre. En ayant conscience que de strate en strate, de profondeur en profondeur, c'est du cœur même de la terre qu'émane cette stabilité, cette précieuse
et puissante stabilité. Cette généreuse stabilité, offerte en tout temps et en tout lieu, pour tout être sur cette planète. Ainsi, mon cœur repose sur ce sol et de strate en strate. Bénéficie de cette puissance tellurique émanant du cœur de la Terre et rayonnant en remontant de strate en strate jusqu'au sol puis jusqu'à cette surface en toute continuité, m'imprégnant à partir de la plante de mes pieds, à partir de mon assise. Cette puissance tellurique remonte le long de mes jambes, baignant toutes mes cellules et venant remplir mon bassin, en remontant encore, rejoignant le cœur même de mon être. Je respire avec cela, avec cette puissante stabilité, avec cette puissance tellurique offerte du cœur même de la Terre, jusqu'au cœur de mes cellules, jusqu'au cœur de mon être. En ayant conscience que cette terre elle-même et tous les êtres qui la peuplent est baignée d'une puissance sans limite, d'une puissance qui l'enveloppe, d'une puissance cosmique. S'expand à l'infini et nourrit chacun de ces êtres, leur procurant une capacité d'expansion. Cette puissance cosmique qui me baigne et m'imprègne à partir du sommet de mon crâne, à partir de mes yeux, à partir de mes mains, à partir de mon cœur et imprègne tout mon corps, venant se loger au cœur même de mon être en se mariant à la puissance tellurique pour créer l'équilibre parfait. La puissance d'être stable sur la terre et en mouvement, en pleine expansion. Je respire avec cela, avec ces deux puissances illimitées. Fruit du mariage.
intensité. L'espace infini, cette puissance créatrice, jubilatoire. Vous rayonnez à partir de ces deux présents. Stabilité. Et expansion. Je reste avec ce sentiment de gratitude en moi, et même je l'amplifie avec ma respiration. Je reprends une position permettant une respiration aisée et profonde, le dos droit, et je calme ma respiration sur les pulsations de cette musique. Ainsi, si je le souhaite, que sur la pulsation de cette image. Cette fois-ci, je vais incorporer un temps d'apnée, toujours de quatre temps, entre l'inspire et l'expire, ainsi qu'entre l'expire et l'inspire, pour respirer dans un cycle de quatre phases. Inspire. Expire, apnée, et de la même façon qu'auparavant, je compte mentalement les temps. 1, 2, 3, 4. Fondant mon mental dans les pulsations musicales. Je vais donner l'impulsion après ces quatre temps pour que nous respirions ensemble. 1, 2, 3, 4, j'inspire. Apnée.
seulement si et seulement si vous êtes à l'aise avec cette forme de respiration, en continuant à respirer ainsi, vous pouvez inclure le sourire, c'est-à-dire dessiner un sourire sur vos lèvres pendant tout le temps de cette respiration, si c'est confortable pour vous. Si vous êtes à l'aise avec cette forme de respiration, vous pouvez maintenant aussi rayonner mentalement 4 merci sur les 4 temps de chaque phase d'apnée. Ainsi. Toujours, bien sûr, si vous êtes à l'aise avec cette respiration, avec le sourire et avec les merci, vous pouvez les accompagner avec des gestes de vos bras. À l'inspire, je ramène mes mains jointes devant mon cœur ou sur mon cœur en maintenant cette position pendant les 4 temps de l'apnée. Puis à l'expiration, j'ouvre mes bras en offrande. Reprenons maintenant une respiration normale en observant les sensations dans notre corps, dans notre ventre, dans nos mains, dans nos pieds, dans notre cœur et la perception de l'espace autour de nous. Ma voix va maintenant disparaître, plongeons dans les sons, au cœur de la vibration, dans la vibration du cœur.
Bien, je vous invite maintenant à fermer vos yeux ou à les garder fermés s'ils l'étaient déjà. Si vous étiez en mouvement, je vous invite à vous poser et à vous reposer de nouveau dans votre respiration. Si vous étiez immobile, je vous invite à, tout en douceur, redonner un léger mouvement, reprendre une position, le dos droit, confortable et tonique tout en même temps, les épaules détendues, la tête légèrement tournée vers le haut, et les yeux pointant leur regard intérieur vers les sourcils. Nous allons maintenant créer une vibration à l'intérieur de nous. Et tout d'abord, je vous invite à respirer et à faire revenir ou amplifier d'une façon ou d'une autre le sentiment de gratitude et tout autre sentiment plaisant généré pendant ce voyage sonore. Respirons avec ces sentiments en nous, avec cette puissance jubilatoire et cette gratitude dans notre cœur, dans notre respiration, vivante, pulsante. Nous allons prononcer cette fois le son A, avec suffisamment de profondeur et de vitalité pour que vous puissiez sentir la vibration qui part de votre ventre, juste en dessous du nombril. Ainsi, je vous indique le son que nous allons faire ensemble et puis je donnerai l'impulsion pour ces 7 A. Cela fera ainsi. Oh. Maintenant, inspirons profondément et commençons.
Rester un temps immobile, les yeux fermés. Sans attente particulière. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, lentement, très lentement, à votre rythme, ouvrir les yeux et bouger de nouveau votre corps. Nous allons créer une autre vibration, cette fois-ci en modulant selon notre et votre inspiration du moment. Laissez votre corps vous guider dans une forme d'improvisation en modulant le son YAM de toutes les façons qui vous viendra.
Et nous allons conclure maintenant ce temps vibratoire et sonore. Et je vous invite à fermer de nouveau les yeux. À prendre une position, le dos droit. Les paumes posées sur les cuisses vers le haut. Les bras détendus. La tête tournée légèrement vers le haut. Et le regard intérieur porté entre les sourcils. Nous allons prononcer trois fois le son Aum, partant du A de la même façon qu'auparavant, et puis en fermant progressivement la bouche, passant par le O, pour finir avec le M. C'est de passer de l'un à l'autre de façon continue et de façon égale sur le A, le O et le M, en sentant la vibration montant à partir du ventre, passant par le cœur, puis la gorge et finissant à la pointe de notre nez. Je le fais une première fois et puis je lancerai cette série de trois Aum ensemble. Ainsi, nous chanterons comme cela. Prenons donc une profonde inspiration et commençons ensemble. Nous voilà arrivés au bout de ce voyage. Il me reste encore à vous donner quelques
informations, trucs et astuces tout de suite, et puis nous pourrons compléter ça plus tard, par échange, d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il y a à retenir, me semble-t-il, c'est que le rythme cardiaque varie constamment, étant responsable du système nerveux autonome et disposant d'une cohorte de cellules nerveuses. Il ajuste donc tous nos fonctionnements inconscients et donc perçoit toutes les stimulations extérieures et ajuste l'ensemble du corps en conséquence. Il perçoit aussi les mouvements intérieurs comme des pensées et les mouvements effectivement de ces stimulations comme à certains moments ceux des pensées peuvent être assez chaotiques. Ainsi, la variation du cœur elle-même suit une ligne assez chaotique puisqu'elle s'ajuste constamment en temps réel avec ces stimulations, la variabilité de ce qui se passe autour de nous et en nous. Eh bien, j'ai besoin à un moment aussi que le cœur retrouve une courbe bien fluide pour s'occuper essentiellement de la régénération de mes cellules, de mon repos, tant au moment de veille qu'au moment du sommeil. Et donc pour accéder et pour fluidifier la courbe de ce cœur, eh bien, nous pouvons le faire avec la respiration, comme nous le voyons avec la cohérence cardiaque, puisque justement, la cohérence dit que le rythme du cœur et le rythme de la respiration sont intimement liés comme un seul rythme. C'est-à-dire que quand j'inspire, le cœur accélère, et quand j'expire, le cœur décélère. Et quand je dis que mon pouls bat à temps, en fait, c'est une moyenne de cette variabilité. Et en respirant à ce tempo-là particulièrement, cette cohérence devient même une résonance cardiaque. C'est là où le cœur a la courbe la plus fluide et la plus grande variabilité, ce qui permet notamment de mettre toute l'énergie du corps, ou une grande partie en tout cas, dans la régénération, dans le repos, tout en étant plein de vitalité. Donc c'est un aspect tout à fait intéressant et de façon plus simple et plus précise, quand le cœur rentre dans ce tempo-là si particulier, il envoie un biofeedback au cerveau disant globalement que tout va bien. Et à ce moment-là, le cerveau enclenche ce que j'appelle, je ne sais pas si c'est très scientifique, le circuit de la récompense, puisque c'est son état favori. Et à ce moment-là, il déclenche les neurotransmetteurs qui correspondent à cet état, à savoir sérotonine, dopamine et autres. Mais je vous invite quand même à regarder précisément. Là, c'est juste pour vous indiquer à peu près. Ce qui compte, par contre, c'est que vous voyez que ce que vous avez ressenti, cette sorte de fluide qui s'est répandu en vous, qui s'est traduit par un état de bien-être, eh bien, correspond à effectivement une diffusion, je dirais, chimique, réelle, tout à fait réelle, et qui correspond au fonctionnement de ces organes partant du cœur qui rentre en résonance. Alors, ne rentrons pas dans la confusion avec les termes. La cohérence signifie que les deux rythmes sont liés. Et à ce tempo-là, il a une particularité supplémentaire en étant optimum. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en pratiquant régulièrement, le corps, reconnaissant que c'est son tempo idéal, va vite sentir quand je me mets dans ce tempo-là. Autrement dit, ensuite, je n'aurai plus besoin forcément d'avoir une musique ou une image ou autre chose en support ou une horloge. Mon corps reconnaîtra tout de suite quand je rentre à un certain rythme qui correspond à celui très particulier de cette cohérence cardiaque, c'est-à-dire cette résonance cardiaque. Eh bien, c'est pour ça donc que je vous invite à commencer à pratiquer si ce n'était pas déjà le cas et à le faire de façon régulière et vous verrez les bénéfices ultérieurs qui vont amplifier ce que vous avez déjà. Et ce qu'on peut retenir, c'est que l'effet donc de diffusion de ces neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine et certainement d'autres choses, en tout cas ce sentiment de joie en nous notamment, et de vitalité, eh bien, il se prolonge pendant à peu près de 4 à 6 heures. Donc, en fait, si je fais ça 3 fois par jour, en fait, eh bien, toute ma journée va être baignée de la sorte. Et donc, de façon mnémotechnique, pour retenir le principe de base de la cohérence, c'est 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Maintenant, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que puisque un cycle de respiration fait 10 secondes, si je le fais pendant 5 minutes, ça fait 30 respirations. À rythme de inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes.
Et bien pour cela, je peux utiliser, un peu à l'indienne, les musiciens indiens comptent notamment sur les doigts et sur les phalanges des doigts. Ce qui permet d'ailleurs d'investir aussi le corps, avec le mental qui compte, 1, 2, 3, 4 dans la tête. Et bien tout notre focus, tout notre être va être dans cette respiration et l'effet en sera démultiplié. Et bien entendu aussi, avec, si vous êtes à l'aise avec ça, avec le sourire et peut-être en rajoutant encore d'autres choses, si cela forme un tout pour vous, bien sûr, et dans une fluidité. Mais revenons donc au comptage qui permet de savoir où on en est et d'aller jusqu'à ces 5 minutes, même si vous avez une musique qui vous donne le tempo. Encore faut-il savoir quand est-ce qu'on arrive au bout des 5 minutes. Eh bien, vous pouvez faire avec votre pouce, vous égrenez les 3 phalanges de chaque doigt, donc cela va faire 12, 4 doigts plus le pouce. Okay. Et vous pouvez terminer, aller jusqu'à 15 avec l'autre main et recommencer une seconde fois en fait. Et donc là, vous arrivez à 30, c'est-à-dire 5 minutes. Voilà, très simplement. Un dernier point, je vous invite fortement à tester cela par vous-même, pas me croire, mais voir par vous-même. Et il y a 3 situations globales dans lesquelles c'est bénéfique. C'est avant de faire quelque chose qui peut être tendu ou qui a de l'importance pour vous, vous pouvez avoir une intensité, vous voulez être vraiment au mieux. Donc vous pouvez faire la respiration en cohérence pendant 5 minutes ou même la respiration carrée que l'on a vue. Et là, peut-être juste 2-3 respirations suffisent à vous mettre bien là-dedans. Un autre aspect, c'est bien sûr après, un moment qui a pu être tendu d'une façon ou d'une autre, agréable ou désagréable, mais intense. Et à ce moment-là, pour vous recentrer, la cohérence cardiaque sous les formes qui vous conviennent. Si vous avez le temps ou si vous n'avez pas le temps, vous ajustez en fonction avec les différentes formes qu'on a pu déjà partager là. Il reste un troisième point qui est fort sympathique, c'est que pendant une action, si vous êtes en train de cuisiner ou si vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez en même temps induire une forme de cohérence cardiaque. Et je prends un autre exemple pour parler de cela, c'est si vous parlez avec quelqu'un et que cette personne-là vous tient des propos, vous la sentez pas à l'aise et elle pourrait vous déstabiliser aussi parce que, par exemple, ses propos sont pas très sympathiques, par exemple, à l'égard d'une tierce personne ou d'une situation. Mais vous n'avez pas envie de l'interrompre, vous n'avez pas envie ni de lui donner des conseils, en tout cas pas maintenant, si elle ne vous le demande pas particulièrement. Et pour autant, vous n'avez pas envie d'être affecté par ça. Vous n'avez pas non plus envie de couper la conversation. Alors à ce moment-là, vous pouvez, l'air de rien, inspirer, surtout si vous avez déjà pratiqué avant, vous connaissez le tempo dans votre corps et vous inspirez, ou au moins approximativement, et vous induisez en vous déjà un état de cohérence. Et vous verrez les effets. Vous verrez les effets sur elle. Voilà, je vous laisse tester ce genre de choses. Peut-être que son propos se modifiera au fur et à mesure, sans que vous ne soyez pas intervenu sur elle. Je termine aussi avec ce côté-là, c'est que plus vous pratiquez, plus en fait votre corps, connaissant effectivement ce tempo, finalement se mettra lui-même déjà dans un état de cohérence, où déjà aura l'effet de la diffusion de cette sorte de chimie très plaisante en nous au moment même où vous décidez de le faire. Bien entendu, vous le ferez quand même pour continuer et prolonger cet effet, mais il sera là déjà, rien que de me dire que je vais le faire, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Bon, voilà, c'est déjà bien complet, et puis nous verrons d'autres éléments, si vous le souhaitez, ensemble, soit dans le chat, soit effectivement après... via les différentes possibilités que vous avez de me contacter ou via des vidéos que je ferai aussi à ces sujets-là. Et puis, bien entendu, vous trouvez sur le net notamment et en livre toute une série d'informations sur le propos. Je vous remercie infiniment pour avoir partagé cette exploration ensemble. De votre expérience avec cette respiration. Cela contribuera et m'aidera à faire mûrir ce genre de proposition en ligne. Je vous rappelle aussi que dans la description, sous cette vidéo, j'ai laissé mon mail afin que vous puissiez recevoir un PDF récapitulatif et des informations complémentaires sur la cohérence cardiaque et d'autres éléments que nous avons vus pendant 7h30 d'exploration. Je vous suggère aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez vous tenir au courant des différentes choses que je vais continuer à proposer sur cette chaîne dans des thématiques semblables ou
cet atelier en mode, je dirais, amélioré, avancé. Je vais rester encore là une vingtaine de minutes, derrière mon appareil, en direct. Donc nous pourrons, si vous le souhaitez, communiquer de cette façon-là. Et de toute façon, vous pouvez m'écrire soit sur mon profil Facebook, au même nom, Frédéric Menzen. J'ai aussi une page, mais vous verrez, vous trouverez les informations facilement. Et puis, bien entendu, aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, il me reste à vous dire et à vous souhaiter une très très belle journée et une très belle suite de parcours dans ces dialogues en humanité. Je vous dis à tout de suite ou à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, dans le cœur, bien entendu.